elle se nommait Célestine. Par hasard, il s'appelait Célestin. C'était une fille de cuisine. Lui, c'était un garçon de magasin. Elle n'était pas très très fine. Lui n'était pas très très dégourdi. Du dimanche au samedi, jour de fête y compris, on les voyait l'après-midi. Sur le bis, sur le bout de la banquette, d'un petit café tabac de la rue de la Roquette. Il revenait s'asseoir à côté du comptoir, de 3h jusqu'à 7h du soir. L'amant prenait toujours un café bien chaud, et l'amante prenait une menthe à l'eau. En se mangeant des yeux, se frôlant les cheveux, ils étaient heureux. Lui pensait faut qu'on se marie, mais hélas, il attendait en vain. Tous ses papiers d'Arménie, attendu qu'il était arménien, dans l'espoir que la mairie pourrait les unir avant longtemps. Depuis déjà 7 ans, l'hiver comme le printemps, il revenait le cœur battant. Sur le bis, sur le bout de la banquette, un petit café tabac de la rue de la Roquette. Il revenait s'asseoir à côté du comptoir, de 3h jusqu'à 7h du soir. L'amant prenait toujours un café bien chaud, et l'amante prenait une menthe à l'eau. En se mangeant des yeux, se frôlant les cheveux, ils étaient heureux. Mais à la fin, lors d'attendre, il lui dit pour qu'on puisse se marier, en Arménie je vais me rendre et je rapporterai mes papiers. La pauvre fille au cœur tendre lui dit va et moi je t'attendrai. Toute seule désormais quand 3h sonnaient, par habitude elle revenait. Sur le bis, sur le bout de la banquette, du petit café tabac de la rue de la Roquette. Elle lisait les journaux, elle faisait du tricot, en buvant toujours une menthe à l'eau. Quand au bout de 3 ans, il revint là-bas, elle avait épousé le patron du tabac. Ce qui prouve que l'amour, qu'il soit long, qu'il soit court, ne dure pas toujours.